Salut à tous mes abonnés. Une fois encore de plus, je vous dis merci beaucoup. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment est-ce que cacher efficacement ses photos et ses vidéos grâce à l'application Cadena Photo. Cette application est vraiment géniale. Elle est un peu différente des autres applications. En fait, lorsque vous masquez, vous cachez vos photos et vos vidéos, vous avez la possibilité de faire disparaître l'application sur l'écran du portable. Vous faites disparaître l'application des autres applications. C'est-à-dire que l'application ne sera plus visible dans votre portable Android. Donc, je vais vous montrer comment utiliser l'application. D'abord, vous ouvrez l'application tout simplement comme cela. Et vous cliquez sur nouvelle installation, confirmer. Vous choisissez un code PIN ou un mot de passe. Je prends 1, 2, 3, 4. Cliquez sur OK. 1, confirmer encore 2, 3, 4 et OK. Vous voyez. Et vous enregistrez cette page, vous cliquez sur suivant. Suivant. Et vous cliquez ici. Ça dépend de vous ici. OK. Maintenant que vous êtes dans l'application maintenant, vous allez devoir choisir les images ou les vidéos à cacher. Donc tout simplement, vous sortez. Vous partez dans la galerie pour choisir les images, les photos ou bien les vidéos à cacher. Je prends ici par exemple ici. Je vais cacher ça et ça également. Donc, je maintiens tout simplement comme cela, comme ça, comme ça, comme ça. Et je fais envoyer, partager avec l'application que la partage avec l'application que là. Photo privée. Je clique sur OK. J'attends. Terminé. Donc, dès lors, mes photos ou mes images sont maintenant cachées. Maintenant, quelle est la particularité de cette application? Vous voyez? La particularité de cette application, c'est que vous avez la possibilité de cacher également l'application dans sans que personne ne sache que l'application se trouve sur votre portable Android. Donc, pour cela, vous cliquez sur les trois points qui sont en haut ici à droite, cliquez là-dessus, et vous cliquez sur paramètres. Maintenant, vous venez sur le mode furtif. On dit appeler le dièse, l'étoile 1 étoile 4 pour accéder au Cadena Photo lorsque le mode furtif est activé. Donc, je clique là-dessus comme cela. Et je viens cliquer sur activer. Donc lorsque je vais sortir, vous allez voir que l'application va disparaître. Vous voyez? Même si je clique dessus comme cela, on dit l'application n'est pas installée. Vous voyez? L'application a disparu. L'application n'est plus. Vous ne pouvez plus voir l'application. Regardez. L'application a disparu. Ça veut dire que personne ne peut savoir où vous avez caché vos photos ou bien vos vidéos. Maintenant, comment est-ce que faire pour rentrer dans l'application puisque elle n'existe plus sur le portable Android. Donc tout simplement, vous venez ici dans l'application appelée et vous composez le étoile 1, 2, 3 et 4 et vous lancez l'appel. Vous voyez, automatiquement vous rentrez dans l'application et vous pouvez voir vos photos que vous avez cachées ou bien gardées en privé. Vous voyez, c'est très simple. Et si vous voulez désactiver le mode furtif, vous venez également ici, vous venez dans paramètres et vous cliquez ici, vous voyez, désactiver ou activer.
Donc, lorsque je vais sortir, vous voyez, l'application n'est plus là. Donc, c'était pour vous montrer ça. J'espère que cela vous a plu. Comment est-ce que cacher efficacement ces photos grâce à l'application Cardinal Photo. Donc, c'était tout pour ce tutoriel-là. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne YouTube.